Bonjour à tous et bienvenue sur Two Point Hospital. Et oui, c'est le 25e épisode. Donc la dernière fois, on avait commencé à développer cette aile ici. Bon, le fantôme, il y en a un qui va s'en occuper là. Oh, il y a vachement d'attente là. 8-7. J'ai rajouté deux généralistes supplémentaires. Bon, je vois qu'on a pas mal de fric. Et une des conditions ici pour passer à 2 étoiles, c'est de guérir 20 patients en salle commune des fractures. Il n'y a personne qui attend, il n'y en a aucun. Alors, ce qu'on va faire, et en plus ça tombe bien parce qu'il faut lancer deux campagnes marketing. Donc on va lancer une campagne marketing concernant la maladie, campagne fracture, ouais c'est ça. Alors ça va nous coûter une blinde, waouh, 31 000, la moitié du budget. Des publicités sont postées aux lieux les plus dangereux de Two Point County. Ouais, ça pourrait nous ramener des patients. Allez, on lance. Normalement, j'ai le personnel nécessaire. Voilà, j'en ai deux qui sont aptes à travailler en marketing ici. Bon, ben, ils vont y aller tranquillou. Voilà, j'ai encore 31 000. Il n'y a aucun employé qui vient ici. Là, ils ont jeté des trucs par terre. Ouais, alors, donc, on va mettre une poubelle. On la met où, la poubelle? Ben, peut-être... voilà, ici. Aucun agent de maintenance ne vient. La marmitette, ici, va être guérie. Oh, non, mais il a payé 10 000. Ok. On va les laisser comme ça pour l'instant. Je pense que quelqu'un va venir nettoyer. On va créer une nouvelle salle. J'ai vu qu'on avait débloqué, bien sûr, la cafétéria. Alors, on va en faire une. Peut-être sur toute la largeur ici, là. Voilà. Tout ce coin. Ouais, comme ça. On va mettre l'entrée par là. Ça, c'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est là où ils prennent les plateaux. On va mettre un dans le coin. Est-ce que c'est dans le bon sens là? Two Point County features a true marvel of modern engineering. The Pointy Mountain Bridge. Ouais, comme ça. If you enjoy crossing things, je m'impose un peu. Voilà. Ça c'est une grosse poubelle. On va la mettre peut-être vers la sortie là. Ouais, ici. Ah, et puis bien sûr, on a les tables. Alors, voyons, j'en mets une là. On va essayer de pas trop quand même les serrer. 2. 3. Une ici. Ça fait que 4 là. Je vais peut-être pouvoir en caser une là. Et une ici. Ouais, c'est peut-être pas mal. Je me garde cette place, on sait jamais. Alors, on a mis la porte, la poubelle à déchets alimentaires, les tables et les chaises. Il va falloir embaucher des assistants. Grosse on va peut-être rajouter, effectivement. Alors, il vaudrait mieux peut-être mettre une poubelle à déchets. S'il veut bien rentrer, non. Elle ne rentre pas. Là, elle rentrerait. Ouais, on va mettre une comme ça. Ah, il va falloir chauffer ce bazar là. Un ici, et je pense qu'on va même en rajouter un par là. Voilà. Fontaine à boire, peut-être. Pourquoi pas dans une cafette. Peut-être pour ceux qui font la queue là, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il n'y aurait pas les trucs à acheter. Cactus, non. En
termes de déco, on n'a vraiment pas grand-chose. Et je pense que là, ça doit pas être terrible l'attrait de la salle. Donc on va être obligé de mettre des plantes, je pense. Un yucca là. Une plante, là ils passeront peut-être pas. Bon, je vais la mettre là. Ouais, on est à niveau 3. Il n'y a pas grand chose à mettre dans la cafétéria. Distributeur de bonbons, non. Pas mettre grand chose, on est qu'un niveau 3, pas top. On va la valider comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc il va falloir embaucher du personnel, un assistant au moins. Waouh, lui il est très bon en marketing. On va prendre celui-là, service à la clientèle. Ouais, pourquoi pas. Hop. Alors, en termes de chaleur, on est bon, on est même très bon. Ouais, c'est pas mal, ça rayonne beaucoup là. Et en termes d'attrait, ça doit pas être terrible. Ouais, un petit peu là-bas, on peut pas mettre de poster, on peut rien mettre. Bon, on va laisser comme ça. Par contre, on va peut-être rajouter des bancs. Voilà, et puis on va essayer d'augmenter l'attrait avec une vitrine à trophées ici, là. Voilà, et une bibliothèque là, et peut-être à côté un distributeur de prospectus. Présentoir à revue, quoi. Bon, voilà pour ça. Ça fait un grand couloir, mais là, je pourrais mettre une salle supplémentaire. Un psy ou un truc comme ça. Ok. On est relativement bien chauffé, ça va. Allez, c'est parti. La cafette est ouverte. Ils vont aller manger, j'espère. Ah ben en tout cas ils avaient besoin de distraction. Alors ça c'est quoi, promotion? Oui. Formation? Non. J'ai toujours pas de salle de formation. J'espère que je vais en faire une dans pas très longtemps. Bon, je pense que je vais rembaucher un agent de nettoyage là. Tiens, voilà notre premier client à la cafette. C'est chouette là. La réputation de l'hôpital est de 97%. Pas mal. Ouais, ils ont des emplacements de formation libre. 74 000. C'est pas mal, c'est pas mal. On s'améliore. Bon, ici, je mettrais bien des petits encas. Ah, c'est vraiment crade, là. Allez, on va rembaucher un agent de maintenance parce que là, c'est pas top. Et celui-là, là, ça suffira. Hop, voilà, il y a une poubelle ici. Voilà, il va faire le ménage, très bien, parfait. Alors, c'est quoi tout ça là? Défi du personnel, 90 jours sans décès. Ouais, bon, ça, on va l'accepter, mais. Demande de formation, non, pas encore. Allez, il faut nettoyer tout ça. Allez-y les gars. Voilà, très bien, ils sont à deux maintenant. Bon, chez les généralistes, 6 patients qui attendent ici. 7 là. Là, c'est en cours. Wow, le marmitette. Enfin, non, c'est le magnétisme animal 14. Oh là là, c'est énorme ça. Cardiologie aussi, c'est là-bas. Vous savez que là, j'y viens plus trop souvent, mais. Ouais, cardiologie à 12 patients. Les gars, il faudrait vous répartir un petit peu différemment.
C'est vrai que là on s'est étalé. Je pense que le prochain truc qu'on achètera c'est ici là. Ça coûte assez cher. D'ailleurs je vais l'acheter maintenant. Voilà. Allez, j'espère qu'on va pas être trop à découvert. Ouais, ils ont pas l'air très en forme les gars là. Hein. Qu'est-ce qu'il a lui? Santé faible. Chance de guérison estimée 30%. Ah, il va faire la queue à la pharmacie. Ouais. Et chez le psy, là, ça en est où? 8 patients qui attendent. Oh, allez, fou. Ou alors une autre pharmacie. Qu'est-ce qui serait le mieux de faire? C'est... Non, la pharmacie, il n'y a personne. C'est fou, ça. 13 patients en cardiologie. Oh. Visite de popstar. Il va falloir l'impressionner, le coco. Ah, Jasmine Odyssée, c'est celle dont on a le poster. Bon, on va peut-être faire une salle de... Il me dit une file d'attente en psychiatrie, mais je ferais bien une cardiologie 56 000. Ouais, on va faire une salle de cardiologie là. Ah zut, on va être emmerdé par les bilans et prix annuels, alors on va voir. Allez. Voilà, parfait, on est à l'hôpital de l'année, à la pointe de la recherche. Super. Donc on avait dit cardiologie. Est-ce que ça va rentrer ici? Ouais. Oh, il y en a un qui est mort en plein milieu là. Alors mon coco, tu te sens mal? Bon, cette salle elle est toute petite. On va mettre une fenêtre par là, une autre là. Ah là je peux pas, il y a la porte qui gêne un peu. Bon, tant pis. Donc on a mis un fatigotron, on va, si on peut, mettre un moniteur mural ici, voilà. Oh, une urgence. Voyons voir, crise de fracture. Ah, ça c'est suite à la campagne ou c'est pendant la campagne. Donc non, je finis cette salle, je ne l'interromps pas et après on va accepter bien sûr l'urgence. Il faut qu'on rentre des sous là. Alors on peut mettre un classeur ici, on est à niveau 2. On va rajouter une machine de grosse, hein, une machine d'exercice ici. Un petit sac de frappe dans le coin là, ça serait bien là. Voilà. Une balance, ça ne peut qu'améliorer le diagnostic. On va pas oublier le chauffage et se garder de la place pour ça. On va peut-être plutôt... à mettre ici la balance. Voilà, j'espère que le reste va rentrer. Une poubelle dans un coin. Ah, les coins ils deviennent durs à trouver là. Ici, indispensable instincteur. Là il... non, il peut pas rentrer. Voilà, ici, très bien. Alors on en est où là? Ok, c'est bon, on est à niveau 3, c'est pas énorme. Un radiateur dans un coin là. Ah, il passe pas de beaucoup là. Ou alors je le case. Non, je peux pas le caser là. Bon, je peux le mettre ici. Voilà, j'espère que ça va aller. La machine à café, je sais pas si. Plus beaucoup de place. La poubelle, on pourrait pas la mettre ailleurs là. Non, c'est pas ça que je voulais. Alors ça, on pourrait peut-être le tourner. Ça prendrait moins de place. Ah. Ouais, bon là, l'autre côté. Voilà, ici, la poubelle, je peux pas l'attraper là. Alors, non, c'est pas ça. Bon,
caser quelque part là. Si. Voilà. Rien. Machine à café, j'avais dit. Voilà, toujours un niveau 3. Fontaine à boire, est-ce qu'on peut. Non, ça prend vraiment beaucoup de place. Bon, on ne mettra pas la fontaine à boire. On va juste rajouter des posters histoire de d'agrémenter tout ça. Hop, tête d'ampoule, poster de clown. On n'a pas eu encore de malade tête d'ampoule. Hein, suivant les hôpitaux, on n'a pas forcément toutes les pathologies. Mais là, on en a pas mal de nouvelles sur Flemington. Alors, on va cacher la fenêtre, tant pis. Sur, bien sûr, le diplôme. Pof. Allez, on va passer au niveau 4, je pense. Voilà, une petite horloge. Jasmine Odyssée qui va venir visiter l'hôpital. Allez, hop. Bon, tant pis, elle n'est pas très droite, mais elle s'en contentera. Si, voilà, on est passé au niveau 4. Un tableau d'affichage, est-ce qu'il peut ? Non. On va peut-être pouvoir le mettre là, oui. Voilà, tout à fait, niveau 4. Et ben, c'est pas mal pour ça, une récompense d'argent. Ah, ici. Très bien, donc là, il va nous falloir, je pense, hop, la salle est construite, voilà. Il va nous falloir, quoi, un infirmier. Ouais, un infirmier. Il dit que les fonds sont au plus bas, mais non, on est pas mal là. Embaucher un infirmier, alors ça c'est du quoi, du diagnostic. Bon, ben, j'ai que lui là. Allez, on le prend, on le met là, on rajoute des bancs devant parce que il y a pas mal d'attentes dans la salle à côté là. Ben, je pourrais mettre qu'un ici, peut-être une petite brochure là, présentoir à brochure, voilà, ok. Et ouais, je vais pouvoir mettre des bancs le long ici, là. Voilà. Ensuite, là, à l'angle, on va mettre... peut-être pas très esthétique, mais je vais quand même rajouter une poubelle, ouais. Bon, il y en a deux dans le couloir, là, c'est pas mal. Au niveau de la température, on est comment ? On est... On est pas mal, ça devrait le faire. Là, c'est presque trop, même ici, là. Ce chauffage, je le revends et je vais plutôt rajouter un petit radiateur, quelque part, même par là. Voilà, ça suffira. Ok. Au niveau de l'attrait, ouais, il y a mieux, je suis d'accord, mais bon, on va laisser ça pour l'instant. Pour l'attrait, justement, on pourrait peut-être rajouter... Voilà, un poster ici, voilà, ça y fait un petit peu, ça évite les plantes. On va rajouter un poster de test de vue, voilà, ici, très bien, ouais, ouais. Le rayon est assez court, mais ça rajoute un petit peu. La pyramide alimentaire, là, c'est très bien. Une jolie toile ici, voilà, ça augmente l'attrait, l'agrément de l'ensemble. La toile ici, là, la super toile dans le coin. Hop, parfait, il y en a un qui a froid là. Très bien. Alors, il dit qu'on peut améliorer le séparasterol. Ouais, ouais, on va l'améliorer. Ça coûte 10 000. Ouais, on a 95 000. Oh, oh. Ok, on améliore ça. Et il avait dit qu'il y avait le fatigotron également. Eh ben, celui-là, il va falloir l'améliorer, effectivement. Améliorer. On va... pas tout faire en même temps, sinon ça va pas trop le faire. Bon, là on a, donc si je comprends bien d'après ce que j'ai fait, on va avoir un couloir ici. Il va falloir faire des salles peut-être un peu plus en longueur. Doctor, to research, please. Ah, il faudra faire des toilettes quelque part dans le coin ici. Ah bah, il y en a un qui va mourir dans son coin là,
parce qu'il va se transformer en fantôme. Non. Diagnostic 65%. Ok, c'est pas trop mal. Bon, les files d'attente chez les généralistes ont bien réduit. Ah, il fait du sport, lui. Allez, il va soigner. Ça y est, l'agent de maintenance arrive pour enfin upgrader le séparation rôle. 11 personnes. Waouh. Ah, voilà notre visiteur mystère là. Jasmine Odyssée. Bon, la cafette, il n'y a pas grand monde, mais ma foi, ils y arrivent. Et j'ai bien fait de mettre un petit distributeur d'eau ici. Allez, manger les gars. Ah oui, j'avais dit, crise de facture urgente. Oui, bien sûr. On a fait la campagne de marketing exprès. Voilà, les individus vont arriver, ça va, ils m'ont pas l'air très débordés ici. Est-ce que je pourrais pas éventuellement, lui il est bon en salle commune et en diagnostic, c'est un crack celui-là là. Bon, on va... Coûte cher, mais je vais le prendre et je vais donc rajouter une personne dans la salle des factures. Voilà, hop, on arrête et on regarde un petit peu au niveau des infirmiers. Si. Donc le dernier que j'ai embauché, je sais pas... On va le voir ici, voilà, c'est celui-là. Donc toi, tu vas pas faire de pharmacie, tu vas faire du diagnostic, hein, cardiologie, ouais. Salle commune, oui. Ça, c'est plus... Bon, la clinique de rire, on l'a pas. La chromo, c'est du traitement, non, t'es pas bon. Ça, oui, bien sûr. Salle des injections, non, c'est du traitement. Et ça aussi, c'est du traitement, voilà. Et puis il y a celui-là que j'avais embauché, tu vas pas faire de pharmacie, tu vas faire du traitement de ça, oui, ça aussi. Non, non, oui, non et non. Voilà, bon, là c'est pas trop mal. Ok, je pense qu'on est pas trop mal. Alors ils sont où les urgences? Ça y est, ils arrivent là. J'espère qu'on va arriver à les traiter. Ah, l'appareil est en rade ici. Défi du personnel, 90 jours sans décès. On n'a pas satisfait la requête. Ben, aucune récompense, mais on n'a pas non plus de malus, donc ça va. La campagne de marketing est aux 3/4. On a encore guéri 0 patient dans la salle commune des fractures. Mais là, bon, on a du monde qui arrive. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai qu'une machine, un poseur de plâtre. J'aurais aimé en avoir plus, mais j'ai plus trop la place. Bon, on va les laisser soigner tout ça. Ce serait bien qu'il arrose la plante ici pour augmenter l'attrait. Ouais, c'est normal qu'il y ait une file d'attente ici. La machine était en panne. 11 patients, c'est dommage. Il me faudrait presque en faire une autre parce que ça rapporte pas mal de sous. Non, pas formation. Bon, ici il y aura un couloir, donc on va... Promotion du personnel, oui. Et si je refaisais une grande salle? J'ai 77 000, une salle, je m'impose, une salle de... Voilà, d'haleine de hyène, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors là, ça fait 1, 2 d'écart. Ouais, on va le laisser comme ça. Ça doit faire 4 par 4. Grande salle. Hein. Alors, je vais la faire comme ça, de 5 par 4. Hein. Et je pense que je mettrai des toilettes à côté. Hop, voilà. La porte, on va la mettre par côté ici. La grosse machine qui va bien. Alors, dans le coin là, voilà. Et il y a des fenêtres, on peut en mettre là.
Voilà, à côté il y aura les toilettes, donc on la met pas. Ici il y aura sûrement une autre salle, donc je la mets pas non plus. Allez, on met tout ce qui va bien. Solution hydroalcoolique, voilà. Il va falloir chauffer ce truc là, voilà. Le café est à volonté, offert par la maison. Voilà, ici. Un placard. Bah, pourquoi pas. Et après, c'est que de la déco. Au niveau, hop, niveau 3, on va, je pense, pouvoir l'amener assez haut, celui-là. Les petits dessins. Voilà. Les différentes récompenses et le diplôme. Voilà, c'est bon. On est au niveau 3, on va passer au niveau 4. Ici, on peut mettre la toile, là. Voilà, on est au niveau 4. On pourrait presque la monter, je pense, au niveau 5. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de matériel éventuellement à mettre dans cette salle. Un poster de la pyramide alimentaire ici. Allez, on se fait plaisir, on achète là une toile supplémentaire. Voilà, c'est une nouvelle toile. Hop, ça va monter un petit peu plus le prestige. Il n'y a pas de tapis, il n'y a rien, il n'y a pas de matériel supplémentaire. Les climatiseurs, on n'en a pas besoin. Ouais, ben, il n'y a pas grand-chose. On va mettre un deuxième canon ultrasonique pour aller plus vite. Fontaine à boire, je l'ai mise. Oh, j'ai pas envie de mettre de plantes. Bon, on va la laisser comme ça. On est à niveau 4. Pof. Et là, c'est un Toubi. C'est qui? Infirmier encore. Bon, on va rembaucher un autre. C'est du traitement. Bon, j'ai personne en traitement là. Empathie augmente le bonheur des patients. Il n'y a rien de bien là. Pourtant, il faut que je l'embauche. Là, c'est du diagnostic, ça le commune des fractures, bof. Mais il risque de faire des conneries, lui. Bon, je vire cela dans 9 jours. On aura quelqu'un, on va attendre un petit peu, parce que quelqu'un va arriver. Alors ici, dans le couloir, il fait pas trop froid, là. Alors, mise à jour de la réputation. Voilà, elle n'a pas arrêté de parler de nous et de l'argent dont elle comptait faire don. Elle a dû vraiment apprécier sa visite. Ça s'est parfaitement déroulé. Bravo. On a gagné pas mal de sous là. On va rajouter, non pas une salle, mais des bancs ici. Oh, il y en a un qui va mourir. Voilà. Dans le fond, là, je mettrais bien un distributeur de chips. Ah non, il passera pas. D'accord. C'est pas très joli, là. Présentoir à brochure. Why not? Peut-être une bibliothèque, là, si le passe, non? Ouais, le passerait, c'est pour lutter contre la nuit. Oh, elle est pas. Ah, d'accord, je peux juste la mettre là. Ok. Alors, attention. Une nouvelle maladie, le mal des déchets. Une infection bactérienne qui force la personne touchée à jeter des objets au hasard. Et il va se faire soigner en salle des injections. Ok. C'est quoi ça? Demande de formation. Bon, là c'est peut-être pas trop mal, on va juste... Oh, recherche terminée.
Ils ont inventé une machine à rayons X. Désormais, nous pouvons voir à l'intérieur des gens, en plus de voir à travers leurs vêtements. D'accord. Donc, on a développé les rayons X. Super. Donc là, on a terminé une campagne de marketing. Il me faudra en lancer une. Mais je vais terminer ce que j'étais en train de faire, là. Voilà, je veux juste rajouter quelques petits posters pour que ce soit légèrement plus agréable. Hop. La dernière toile qu'on vient d'acheter, là, autant l'exposer. Voilà. J'avais dit que je voulais faire des toilettes. Alors, ça sera les toilettes sur 3, je pense. Donc j'ai pas de salle comme ça, donc je peux pas la dupliquer. Je vais les faire avant de faire autre chose là, parce que sinon ils vont se lâcher partout là. Si je le fais là, ça fait une grande... Pourquoi pas. Et on va faire l'entrée par ici, ok. Alors, 1, 2... Voilà, ça va être un truc assez grand. Alors, on a 4. On va mettre un comme ça. 2. Un dans ce sens ici. Et puis, on va rajouter plusieurs sèche-chemins. 2. Ouais, c'est bon. Il rentre là. 3 sèche-chemins, 3 lavabos. La grosse poubelle qui va bien ici. L'instincteur. Je suis pas sûr que dans les toilettes ce soit utile. Là où. Solution hydroalcoolique, ouais. Au cas où. Voilà. Un radiateur. Alors là, ça suffira peut-être pas à tout chauffer. Je le mets près de la porte. Voilà, et je vais pas mettre de plantes, non. Par contre, elle est à niveau 3 déjà. Ouais, bon, juste 2-3 bricoles ici. Et là, je peux pas, il y a l'instincteur, voilà. Histoire de monter légèrement la toile ne rentrera pas. Bon, je pense que c'est bon, on a des toilettes. Allez, c'est parti. Ok. J'ai pas mis... Non, il n'y a pas de fenêtre, ok. Bon, c'est bien là, c'est bien. Je vais rajouter, parce que bon, il y a la cafétéria à côté, mais tout le monde n'y va pas. Alors, on va peut-être vite fait rajouter. Non, c'est pas ça. Voilà, différents distributeurs. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, les sodas, les boissons de luxe, les encas. Et ça sera bon, on va, même s'il y en a une en face, on va rajouter une poubelle et peut-être même un instincteur, on ne sait jamais. Pourquoi il passe pas, on peut pas le... Si, si, je peux le mettre là, voilà, on va le mettre là. Très bien, on va terminer avec des bancs peut-être. Là, voilà, et c'est pas trop mal au niveau température. Ouais, bon, après on rajoutera par là des radiateurs, un petit distributeur à bonbons. Allez, soyons sympas. Un autre distributeur à brochures ici. Ok, bon, je pense que c'est pas trop mal. Très bien. On a un infirmier qui est ici. J'espère qu'elle est un peu compétente. Alors, on a terminé une campagne. On va en relancer une. On n'a pas d'urgence. On n'a rien. Ah non, elle n'est pas finie. Non, elle est presque finie. Les urgences ici, ça en est où? Il serait bien que ça avance un peu. Oh, elle est mort. Oula. On en a guéri deux. Un échec. Ouais, c'est lui là. Bon, tant pis. Allez les gars. Demande de formation. J'ai toujours pas la salle, donc non.
Oh putain, deuxième qui va mourir. Deux échecs de guérison. Oh, c'est pas cool ça. Ben, je pense qu'il va falloir faire la salle de formation. En attendant, je vais lancer la mise à jour de ce truc-là. Hop, voilà. Le Fatigotron, ben justement, c'est lui, je pense, qui va... Ouais, il a besoin d'une maintenance, mais en même temps, je vais l'améliorer. On pourrait améliorer le Separasorol au niveau 3, là. Ça coûte 20 000 pour 112 jours. Ben, pourquoi pas. Allez, on lance ça aussi. Et on a terminé la campagne de fracture. Je pense que je vais en refaire une. Parce que... On va lancer la campagne. On va dire à grande échelle, on va essayer pour... Marketing maladie. Bon, alors ça va coûter peut-être un peu plus cher, mais j'ai pas mal de fric là. Donc on va faire sur 7 mois. Ah, et là c'est vraiment la grosse campagne. Et voilà, ça permettra peut-être de remplir cet objectif là. On est presque à 2 millions. Il ne manquera plus que ça pour passer à 2 étoiles. Bon, très bien, très bien. On a bien progressé. On va laisser les machines s'upgrader. Et je reviens ici. Voilà, parce que je vois qu'on a débloqué donc un objectif de carrière. C'est quoi? On a obtenu 15 étoiles en tout. Et récompense 500 kudosh. Tac. Merci. Bravo. Voilà, on en reste là les amis pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous. On est toujours à une étoile, mais on va pas tarder à passer à la deuxième étoile à Flemington. Et on a dû débloquer un autre hôpital, ou je sais pas où. Non, ben... Ah ben si, là-haut. Oh, on en a débloqué deux. Meltdowns et... Smogley. Oh, bien. Bon, mais je pense que quand on aura deux étoiles ici, on partira sur un des hôpitaux un peu plus bizarres ici. Là. Un hôpital universitaire qui se consacre sur la chirurgie et un hôpital abandonné près de la centrale électrique. Oula. Ok. Bon, allez, portez-vous bien les amis. À bientôt. Ciao, ciao.